Vous êtes là pour voir du paranormal et j'ai trouvé 10 vidéos paranormales via sur TikTok et ensemble on va réagir à ces vidéos et essayer de débunker. Ici Boucan et bienvenue dans StrangerNet. Vidéo 1. On va commencer par le commencement. Cette vidéo n'est pas du tout paranormale. Non! C'est un extrait du film de Paranormal Activity 2. Il faut réviser la culture cinématographique, les amis. Non, c'est vrai que si tu ne connais pas le film, bah ça fait bizarre de voir ça. Mais c'est l'enjeu de TikTok, de faire découvrir du paranormal. Et d'un côté, c'est paranormal, c'est juste un film. Vidéo 2. Ok, d'accord. Mais pourquoi les petits cris comme ça? Wow. Ouh la maman, elle est énervée. Ouh, coup de parapluie au fantôme. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai la sensation que c'est une mise en scène? Déjà le hors-champ, le cadrage, tout ne va pas dans cette vidéo. Et pourquoi? Pourquoi elle s'est dit, tiens, je mets des coups de parapluie au fantôme. Enfin bref, je sais pas si c'était paranormal ou pas, ou une mise en scène, parce que... Ouais, fil de pêche. Bah, c'est tellement classique, fil de pêche, juste à ce moment-là. Le parapluie, il est bien placé. Regardez où il est. On va passer à la suivante. Hein. Ah, c'est la même famille. Ok. C'est quoi ce problème? Pourquoi le gamin crie sans cesse? Ah, d'accord. Ok, là maintenant il dit qu'il y a quelque chose sur la porte ou sur la vitre. Mais c'est quoi ces cadrages en fait? Et c'est toujours la même famille? Ouais, on va voir parce que là c'est curieux. Sacrée ambiance quand même, hein. La caméra n'est pas placée comme tout à l'heure. Ouais, ok. Le ballon. En fait, le ballon, il... Ouais, non. Qu'est-ce qui se passe? Il va capter que le ballon... Ah! Oh! Ok, c'est joli, ça. Joli. Ok, il y a plein de choses à dire sur cette vidéo, c'est toute une mise en scène. Moi non, mais ça se voit, c'est pas du paranormal, c'est vraiment pour faire peur. Déjà les cadrages, si c'était tout le temps le même cadrage, on pouvait dire que c'était une caméra de surveillance pour surveiller la maison, si voilà quoi, ça des cambriolages et tout. Mais le petit, il surjoue, j'ai l'impression qu'il surjoue. Bref, sur cette vidéo, personnellement, je dis que ce n'est pas paranormal. Mais après, dites-moi si vous connaissez ces histoires... Vidéo 3, jamais sans toi. Ce que j'aime sur TikTok, c'est que ça démarre direct. T'as pas le temps de... Oh, oh. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça je connais. Regardez bien. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a? Le bébé, il est en 3D ou quoi? J'ai l'impression qu'il est en 3D. Bon. Beaucoup de choses sur ces trois vidéos. Bon, le premier, je sais pas. Un lit, plein milieu de tout ça. Je sais pas, ça a pas l'air naturel. C'est pour ça que j'avais pas compris, c'est un peu perturbant. Ensuite, l'effet fantomatique qu'on voit dans les chambres à coucher de l'hôpital, c'est juste une toile d'araignée qui est très près de l'objectif. Vous voyez, là, il y a un câble. Si je le mets très 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 près de l'objectif, vous voyez, ça fait ça. Et du coup, alors imaginez si c'est une toile d'araignée, du coup, t'as l'impression que t'as un effet fantomatique, mais qu'en réalité, c'est juste un câble.
Ensuite, la troisième vidéo, j'ai l'impression que le bébé, il est en 3D. Oh, regardez ça bien, propre, analyse. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est fake. Je sais pas, c'est chelou. Il y a un effet 3D qui me dérange. Sauf peut-être un enfant qui se promène comme ça et qui l'a fui sa maman. Ça arrive, hein. Ça arrive très souvent. À vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est un truc paranormal, le coup du bébé. C'est creepy. Vidéo 4. C'est chiant parce qu'à chaque fois, je dois couper le son par rapport au copyright. Et je déteste ça. Il dure 2 minutes la vidéo. Ok, déjà ça commence direct. Le petit truc derrière qui disparaît. Ok, elle a pas capté. Ça va. J'ai vraiment l'impression que c'est du storytelling, cette histoire. Ok, elle allume, elle prend, elle ouvre. Ah, et fais voir, fais péter. Ah, d'accord, ok, le tissu, il était en l'air. Ce que j'ai envie de dire déjà sur ces deux vidéos, ça pourrait être vrai. C'est chelou quand même. Mais deux fois d'affilée quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à capturer quelque chose de paranormal. Et elle, en l'espace de deux vidéos, bam, elle arrive à les choper. La baballe. Oh, oh. D'accord, elle va mettre le sel. Mais, attends, je coupe là. Je pense, si franchement, je dis pas de bêtises, le sel, en fait, il va s'étaler. Et si le sel s'étale, je vais regarder, hein, je vais couper, je vais vraiment regarder au millimètre près. Parce que si c'est un effet de masque, c'est très simple. Vous prenez la vidéo, vous laissez le sel comme ça. Ensuite, vous allez couper la vidéo, vous allez étaler le sel. Vous redémarrez l'enregistrement et avec l'effet de masque, et tu vas effacer l'image. Et du coup, ça fait cet effet de piano. Bref, je vais voir ça. Si c'est ça, malheureusement, je pense que c'est fake. Je pense. Mais on va voir. Ok, elle ferme la porte. Ouais. Regardez bien, en fait, c'est coupure par coupure. Je vous mettrai en ralenti. Et en fait, c'est le coup du masque qui s'enlève. Je vais essayer de faire. Je mets ça ici. Ça va être un peu raté parce que je vais le faire vite. Et là, par exemple, j'ai ça. Et là, normalement, il n'y a plus. C'est l'effet de masque, en fait. Voilà. C'est très facile à faire dans le monde du paranormal, hein. Surtout dans le trucage. C'est des premières bases. On apprend à faire ça dès le début, en fait. Bon, enfin, bref. C'était pas vraiment... Bah, c'est de la mise en scène, hein. Moi, je trouve que c'est de la mise en scène. Vidéo 5. Ah, oh, elle est en train de jouer. Et en fait, à un moment, la fille, elle se sent pas bien. Elle touche la nuque. Qui est toute seule. Ah, elle tombe. Elle se fait tirer. Il y a une cut. Bon, c'est pas grave. Ok, elle se fait tirer. Les enfants. Pourquoi? Ça peut... Hein? Ah ça, j'ai pas vu ça. Quoi? J'ai pas compris. Pourquoi t'as rajouté ça? J'allais dire, ok, d'accord, je vois pas de câble et tout. Et d'un coup, tu me mets la fille qui marche en mode cheval. What? Pourquoi le comment? Mais après, franchement, ça fait flipper. Mais je pense... Le coup de juste de tirer les jambes vers l'arrière, que c'est un truc très classique dans le paranormal, tu aurais dû laisser ça, ne pas rajouter en plus. C'est ce que je dis. Je dis pas que c'est fake ou pas, à vous de voir ça dans les commentaires. Je vous laisse vraiment vous exprimer dans les commentaires. Je veux être là pour lire, mais... Je pense que vous avez compris mon avis. Vidéo 6. La saucisse. Ça va démarrer direct, attention. Hop, direct. Ok, ça marche. Oh, pourquoi? Mais ça a glitché le truc, elle regarde la caméra et elle va se faire étrangler, sûr et certain. Je me fais étrangler, ah, et je pousse avec mes pieds. Ok, là elle dit que la caméra elle a fail, mais il y a toujours le son. Et c'est la GoPro, ok, d'accord, je vous explique, je vous montre un truc. Ici, je sais pas si vous le voyez, j'ai ma GoPro 9, ici la GoPro Action. Quand la GoPro s'éteint, en fait, ça freeze. Il n'y a pas de son. C'est-à-dire que ça fait cut, noir, direct. Si je vais vous montrer. Si je coupe juste la caméra, ça fait ça. Là, vous avez le son. J'ai juste enlevé le calque de la caméra. Sinon, voilà, la caméra, elle est là. Waouh, magie. Enfin bref, vous avez compris que c'est fake. Vidéo 7, la chaussette. Bon, déjà, la femme, pourquoi elle se filme la nuit comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de paranormal? Ne me dites pas que c'est les orbes. Ouais. Ok. Ne me dites pas que vous avez cru que tous ces formes ronds, c'était des fantômes. Non, en fait, dans la pièce, il y a énormément de poussière. Sinon, tu prends un drap et tu secoues comme ça. Mais là, j'ai pas. Et en fait, ça te fait des orbes. Voilà, ça fait des orbes. C'est de la poussière. Qu'est-ce qui se passe, là? Je voulais avoir des vidéos paranormales. On me donne ces liens. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé. Vidéo 8.
Ok, je peux pas mettre la musique. Vous... Ah, ouh. Je crains ça. Ah, c'est creepy, hein. Ah ouais, d'accord. Ah, il s'est fait piquer. Oh, wow. Bon, c'est pas du paranormal, c'est plutôt creepy, hein, c'est effrayant. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, la dose, mon frère. Il a voulu bien le prendre. Ah ouais, d'accord, mais frère, appelle les pompiers. T'as une grosse araignée chez toi, frère. T'as une migale. Ouh, il est gros, celui-là. Ah non, non, mais c'est pas fait... Ah, je crains. Ah, je crains. Ah, je fais ça pour vous, hein, parce que moi, je crains les araignées. Ah, il est immense. Ah! Mais what? Mais... Oh, celui-là, il fait peur. Ah oui. Si ça saute... Oh là là, j'ai peur. Oh, j'allais faire un jump, là. Ah ouais. Ah non, non, non. T'approche pas. Ah non. Aïe, 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 aïe. Il est en mode attaque. Oh, frère. Cours, sors. C'est chez lui. C'est plus chez toi. Ah putain. Non mais après c'est pas bien de le gazer. J'aime pas. Non non, tu le laisses en vie. Non non. Personnellement, même si le truc, oh, ça me fait des frissons, on le tue pas. Non, on le tue pas. Tu appelles les pompiers, je m'en fous. Le truc, c'est une migale comme ça. Tu t'appelles la police. Mais non non, tu tues pas. Ou sinon tu prends des gros bacs. Peut-être que ça peut marcher. Je sais pas. Tu prends les beaux gros bacs comme ça. Tu essayes de le fermer. Hop, tu le mets dehors, quoi. Mais, oh, j'espère que vous êtes servi. Si vous aimez pas ça, je suis vraiment désolé, je le savais même pas. Oh, ça m'a donné quelque chose de... dans le dos, quoi, tu vois. J'ai des piquements dans le dos. Ah, bon, on passe à la suite. Vidéo 9. C'était bon. Si la chaise, elle bouge contre la porte, je sais pas, on verra. J'ai pas envie de débunker, j'ai envie de... Oh, oh, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a paniqué, il est parti en courant direct. Oh. D'accord, ça c'est le verre qui va tomber. Et 6. Ouais, j'ai déjà vu ça. C'est pas paranormal. Le verre, c'est pas paranormal. En fait, entre le frais et la chaleur, tu sais, sur la table, ça glisse. Sur le comptoir, ça glisse. J'ai déjà vécu ça. Mais la chaise, il est perturbant. Oh. C'est vrai, hein. Je vois pas des... Là, je vois pas de fil, hein. Après, je sais pas. La première vidéo, elle était impressionnante. Je vois pas le trucage. Peut-être que là, ils ont été ingénieux. Ou peut-être, c'était vrai. À vous de me le dire. Mais impressionnant. Très impressionnant. Vidéo 10. C'est encore dans un hôpital. Ok, l'hôpital. Let's go. Wow. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, je vais revoir. Ah, c'est bizarre. Est-ce que c'est un bug? Ah non, il monte et bam! Alors, ça peut être deux choses. La première, ça peut être un bug de la machine et c'est monté tout seul. La deuxième, c'est le gars qui filme, qui a la télécommande et qui fait monter le lit. Ça peut être la deuxième solution. La troisième solution, c'est un fantôme. Ah, possible. Chut, c'est la fin, il n'y a plus de vidéo. Bon, en vrai, je me suis régalé. Il y avait des bonnes choses, c'était marrant. On peut les expliquer parce qu'il y a des trucages. Mais sachez que une vidéo, on peut le truquer par 10 000 façons pour avoir le même résultat. Mais est-ce qu'un jour, une personne va attraper quelque chose de paranormal? Ça, c'est la question. Ou peut-être qu'on l'a déjà attrapé, mais j'ai pas trouvé la bonne vidéo. Si vous aussi, vous voulez partager des vidéos paranormal, vous pouvez me l'envoyer sur Instagram. Ça s'affiche juste ici, Poucansan. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Et on se dit à bientôt. Ciao !